Bonjour à vous. Nous sommes en stéréo aujourd'hui. Eh oui. Bonjour Monsieur Papy. Ça va bien? Mais ça va bien vous-même? Moi aussi. Bon. Et puis les amis aussi. Oh bonjour les amis. Et qu'est-ce que vous faites de bon mon cher de ce temps-ci? Monsieur Papy, je suis allé me sucrer le bec. Ah. Le museau si on veut. Bah oui, hein, faut dire que c'est le temps, ça sent le sirop d'érable. Là, que dans c'était. Dans les cabanes à sucre. Là. Oui. Mmh, c'est bon, tellement bon. Y êtes-vous allé? Ah pas encore, mais on va faire notre tour comme à chaque année là. Bon. Et c'est tellement ça. Bon. Les œufs dans le sirop. Ben oui. Les bines dans le sirop. Ben oui. Les toasts avec du sirop. Ben oui. Et puis du sirop avec du sirop. C'est ça. Et de la tire. De la tire sur la neige. De la tire sur la neige avec du sirop. Oui. On met tout dans le sirop. C'est tellement bon. Ah, oh, c'est terrible. C'est terrible. Bon. Hé, hey, Ramulus. Oui. Oui. J'ai un ami qui me posait une question. J'ai trouvé que ça avait de l'allure. Quoi? Il dit... La Terre est ronde, hein? Oui. En tout cas, il y en a qui disent qu'elle est plate, là, mais ce n'est pas le cas. Elle est vraiment ronde. Oui. Et si la Terre est ronde, comment ça se fait que nous, ben, vu qu'elle tourne, là, comment ça se fait que nous, on ne tombe pas? Oh, que c'est une bonne question, ça. Ben oui, ben, c'est parce que là, si on est en haut, ben, après ça, tu descends en bas. Comment ça se fait que nous, on ne tombe pas, là? Eh bien, mon cher, c'est la force d'attraction. Ah! Oui. C'est la force d'attraction de la Terre... qui nous attire vers son centre. OK. Donc, plus ça tourne? Plus ça tourne, plus on est attiré vers le centre de la Terre, mm-hmm. qui est sous nos pieds. Et puis, le ciel est en haut. Mais que vous soyez en Europe, au Canada, en Australie, ou n'importe où vous êtes, le ciel sera toujours en haut et la Terre toujours sous vos pieds parce que nous sommes attirés par la force d'attraction. OK. C'est intéressant, n'est-ce pas? Bien sûr! Oui. Ça me fait penser, quand j'étais petit, mon père m'avait montré un truc pour faire comprendre le principe. Oui. Il m'avait fait remplir une chaudière. Oui. À peu près, mettons 5 cm d'eau dans la chaudière. Oui. Puis il me dit, fais une rotation avec la chaudière, mais fais-la assez rapidement. Oui. Et quand tu tournes la chaudière de cette façon-là, bien, l'eau reste dans la chaudière. L'eau ne tombe pas. Oh! Parce qu'elle est attirée, elle reste au fond. Un peu comme nous, ça fait avec la Terre. C'est la force d'attraction. Hey. Exactement, c'est pas plus compliqué que ça. Ben, c'est bien. Oui, hein? Eh, hey, ben, en tout cas, notre ami est content de la réponse que tu nous as donnée, j'en suis certain. Ça fait plaisir. Et j'espère que vous, les amis, vous allez rester dans quelques instants pour le compte. Fait que, mon cher Amulus, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, les amis. Bye-bye. Au revoir. Bonjour! Bonjour, papy! Eh, hey, bonjour, Théo! Et bonjour, papy! Oh, bonjour, mademoiselle! Présente, j'ai amené une amie, ça te dérange-tu? Ben, pas du tout, c'est le fun de rencontrer des nouveaux amis. Veux-tu savoir comment elle s'appelle? Ben oui, j'aimerais bien ça. Comment tu t'appelles? Et maman, elle me fait tout le temps manger des échalotes, donc je m'appelle Charlotte. Charlotte. Ah, c'est ça, c'est beau comme nom. Comment qu'elle fait pour parler sans bouger sa bouche, là? C'est parce que... Ben, j'ai été chez le dentiste hier, hein, puis c'est la petite fille. Ben, c'est encore gelé. Oui, c'est ça, oui. Elle a encore mal. Oui, 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 oui. Elle est un petit peu gelée. Ah, ben, okay. Là, beau nom, hein. Ben, Charlotte, c'est joli, hein? Oui, elle est nouvelle dans notre école. Ah, oui. Elle est arrivée, hein, en plein milieu de la session, là. Vous venez de déménager, hein? Oui, ma mère et mon père, c'est des nomades. Attends, pardon? Hein? C'est des nomades. Oh, c'est des un nomade. Oui. Oh, okay. Il déménage tout le temps. OK, un nomade, mais pas, il fait pas de la motocyclette, là. Non, pas okay. Pareil, puis okay. Il mange pas de marmelade, OK, là? Elle est vraiment gentille, c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai décidé de l'amener, c'est parce qu'elle est très gentille. Oui, oui, elle a de l'air gentille. On a de la misère à la comprendre des fois. Ben là, si elle était chez le dentiste hier, je peux comprendre. Justement, c'est ça, mais ça va aller mieux. Et je vais essayer de l'ouvrir ma bouche de mort. Oui, mais c'est bien, on va comprendre mieux dans ce sens-là. C'est ça, on articule. Ben bonjour. Tu l'as dit, on a... Et ma mère a toujours dit qu'elle est un petit peu timide, hein? Oui, hein? Elle est timide un peu? Oui. Elle est timide. Elle est timide, d'ailleurs. Non, timide. Ah, timide, OK, excuse. Bonjour, Charlotte. Mais bonjour, papy! Bonjour, je vais te présenter aux amis. Bonjour, les amis. Oh, bonjour, les amis! Bonjour, les amis! Et c'est Charlotte.
Lisez-moi! Oui! Puis j'ai changé ma petite robe un matin, j'ai toute une manœuvre de robe. Une belle robe, oui! Oui. C'est joli, c'est fleuri. On articule. Oh. OK. Parce que le professeur te l'a dit cette semaine. Ouais, moi, tu me donnes des majuscules. Les majuscules dans ces articules? Oui, oui, oui. J'articule mes majuscules. Mais non, regarde. Ah, ben c'est bien. Ben moi, j'ai décidé d'amener Charlotte. Ben c'est correct. Parce que je voulais qu'elle écoute un de tes contes. Ah, oh, elle n'a jamais écouté un de mes contes? Non. Pourtant. J'ai entendu parler, j'ai eu des bonnes échos de ça. Ah, des bonnes échos, c'est joli, ça, dire ça de même. Ben, je suis content. Papy est populaire, hein. Il est à travers le monde. Mais moi et Théo, on s'appelle des fois. Ah oui? Oui, puis il m'a tout compté. Ben, justement, ben c'est bien parce que tu viens justement pour un beau compte aujourd'hui. Quand tu viens juste d'arriver dans une place, là, quand tu viens juste d'arriver là, dans un voisinage, c'est, il faut qu'on les accueille. Ben faut qu'on leur dise bonjour. Exactement. Oui, c'est important. Hé, Théo, je pourrais-tu me dire quelque chose? Quoi? T'es donc bien beau. Oh! Mais j'aime beaucoup sa chevelure. Ah oh oui, il y a une belle chevelure. C'est gentil, le cheveu fourni. Oui. Es-tu fine? Oui, hein? Mais là, j'essaie d'être pas fine des fois, mais tu sais, ça réussit pas tout le temps. Ah, en tout cas, t'as manqué ton coup parce que là, t'es plutôt gentil, hein? Oui, t'es très, très gentil. Elle m'a très bien éduqué. Bon. C'est bien. Et alors, puis, c'est quoi ton conte? Oui, aujourd'hui, vous êtes venu pour le conte qui s'appelle Le Prince Pirate. Oh! Oui, un prince pirate. Est-ce que tu connais ça, un pirate, Charlotte? J'ai pas vraiment connu un pirate, mais je sais que ça existe. Oui, hein? Okay. Mais là, c'est pas un pirate informatique, là. C'est un pirate, comme les vieux pirates dans le temps, avec des bateaux, là, puis... Oui, ça existe ça encore, les pirates, d'après toi. Oui, c'est ça. Bon, je pense peut-être que dans les pays très, très, il y a encore des pirates qui existent. Oui. Peut-être pas comme dans la vieille mode, mais encore des pirates. Bon, mais qu'est-ce que recherchent les pirates? Ils recherchent quoi? Des trésors. Oui. Oh non! Oui. C'est quoi ton compte, papy? Ça que vous êtes prêts? Oui, on est prêts. T'es prêt, moi, j'ai hâte d'entendre ça. OK. Bon, ben, on y va. Il était une fois. C'est beau, hein? Ça commence toujours bien, l'histoire. On continue, papy, continue. Un prince riche, mais paresseux, qui passait ses journées sur son bateau non loin du palais. Un jour, le prince demanda au roi, son père, bien sûr, de lui faire construire un magnifique navire afin qu'il puisse partir explorer la mer. Oh. Le roi ordonna alors à ses meilleurs artisans de travailler nuit et jour pour achever le navire, qui était peint avec de l'or et dont les voiles étaient décorées de couronnes. Bientôt, le prince put prendre la mer. « Nous ne devons pas nous aventurer trop loin, » avertit un des marins. Le capitaine Blackwater, un redoutable pirate, fait route non loin d'ici sur son navire, le crâne de rubis. Le prince capricieux se plaignit de n'avoir jamais vu de pirate. « Je veux rencontrer le redoutable capitaine Blackwater, » déclara-t-il. Alors, le navire doré s'éloigna des côtes et se retrouva en pleine mer. La seule chose que l'on pouvait apercevoir à l'horizon était une colonne sombre. « Cela m'intrigue. Mettons le cap vers cette colonne, » ordonna le prince. Les marins grommelèrent. Ils n'étaient pas contents. Mais ils ne pouvaient pas désobéir à leur prince. En s'approchant, ils comprirent qu'il s'agissait d'une trombe d'eau. C'est une tornade dans l'eau. Une tornade dans l'eau. Qui avalait la mer en une immense colonne d'eau. Bien plus haute que le navire. C'est fascinant, déclara le prince. Je veux voir ça de plus près. Et il grimpa sur la vigie située au sommet du plus haut des mâts. Mais alors que le navire tanguait dans la tempête, le prince perdit l'équilibre et tomba dans la colonne d'eau. Le prince fut englouti par la tornade, qui l'emporta très loin. Finalement, le vent cessa et le prince tomba dans la mer. Ça va-tu, Charlotte? Il est très ému, moi, là. Ah oui, c'est ça, c'est le vent qui est tombé, là. Oui, hein? Il nagea alors de toutes ses forces et finit par échouer sur une île déserte.
Le prince vécut sur cette île durant de longs mois et devint de plus en plus maigre. Il n'y a pas grand-chose à manger. Non. Pas grande épicerie ni dépanneur. Ouais. Un jour, il aperçut un grand navire. Il fit des grands signes et cria plus fort qu'il pouvait pour dire que le navire était là et qu'il mettait cap sur l'île déserte. Une corde fut tendue le long de la coque du navire et le prince put grimper à bord. Un homme lui vint alors à l'aide. Et au lieu d'attraper une main tendue, c'est un crochet que le prince saisit sous la manche de l'homme. Oh oui! Et ce crochet ne pouvait appartenir qu'au célèbre capitaine Blackwater. Wow! Le navire était donc le fameux crâne de rubis. Oh! Comment on répond, moi? Nous accostons sur cette île pour y abandonner un groupe de mutins. Vous savez, c'est quoi des mutins? Non, c'est quoi une ça? Une mutinerie. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quand quelqu'un se révolte? Exactement. Quand que des marins n'étaient pas d'accord avec le capitaine, ben ils contestaient. Puis ils faisaient une mutinerie. Donc, c'était des mutins. Ils étaient punis dans ce temps-là. S'ils n'avaient pas réussi leur mutinerie, là. Alors, le capitaine expliqua. Le groupe de mutinerie, l'un d'entre eux, est mon second. Et si vous parvenez à battre en duel, vous prendrez sa place, je veux dire. Oh, oui! Alors, le second avait un regard cruel. Quelqu'un donna une épée au prince et le duel commença sur le pont du crâne de rubis. Wow. Avec beaucoup d'adresse, le prince, écoute, il était habitué de se battre avec des épées, lui-là. Hein? Oui. Il avait été éduqué avec ça. Oui. Avec beaucoup d'adresse, le prince envoya son adversaire rouler à l'autre bout du navire et tous les pirates l'acclamèrent. Wow. Alors, ils abandonnèrent le groupe de mutins sur l'île et partirent. Un cruel sultan qui vit non loin d'ici capture les hommes sur la côte et en fait des esclaves. Raconta le capitaine Blackwater. Oui. Nous voulons attaquer son navire et libérer les esclaves. Veux-tu te joindre à nous, étranger? Ben, le prince n'avait pas beaucoup de choix. Hein? Et il décida de participer à l'équipe de pirates. Ils voguèrent au gré des courants et attaquèrent tous les navires du sultan qu'ils croisèrent sur leur route. Ils volèrent ses bijoux et libérèrent les esclaves. Oh. Wow. Le prince devint un bon marin et un combattant courageux. Wow. Il perdit rapidement ses manières capricieuses. Un jour, le capitaine Blackwater apprit que le sultan avait envoyé un navire pour capturer un roi qui faisait route non loin de là. Le navire de ce roi est peint avec de l'or et ses voiles sont décorées de couronnes, déclara le capitaine. On dit que le roi cherche son fils disparu. Lorsque le prince entendit ces mots, il comprit qu'il s'agissait de son père. Je connais ce roi, dit le prince. Si nous le retrouvons avant le sultan, nous deviendrons très riches. Le navire du sultan est deux fois plus gros que le nôtre, déclara le capitaine Blackwater. Nous devons trouver le navire du roi les premiers. Le capitaine navigua à la recherche du navire doré, mais alors qu'il l'avait enfin en vue, il vit que le navire du sultan les avait devancés. Les hommes du sultan avaient sauté à bord du navire et avaient pris le roi en otage. Oh là, le prince sera pas content. Pas beaucoup, hein? Le capitaine Blackwater attendit la tombée de la nuit, puis il rapprocha son navire de celui du roi et se glissa discrètement à bord avec son équipage. Lorsque les hommes du sultan se réveillèrent, ils découvrirent qu'ils avaient été envahis. Ils attrapèrent leurs armes et commencèrent à se battre contre les pirates. Dans le chaos de la bataille, le prince se mit à la recherche de son père, qui était enfermé dans une cabine du pont inférieur. Le roi brandit son épée. « Tu ne mourras pas vivant, pirate !» déclara-t-il. « Je viens te sauver, père !» répondit le prince. Et le roi reconnut alors son fils et le prit dans ses bras. Puis le père et le fils se ruèrent ensemble hors de la cabine pour combattre aux côtés du capitaine Blackwater. Ils aidèrent les pirates à vaincre les hommes du sultan et à prendre possession de leur navire. Après la bataille, le capitaine Blackwater fut très surpris de découvrir que l'un des membres de son équipage était un prince. Toutefois,
Il eut peur que le roi ne veuille le punir pour tous les méfaits qu'il avait commis. Ouais. Le jour suivant, le roi, le prince et les pirates rentrèrent ensemble au palais. Le roi était si heureux de retrouver son fils qu'il nomma le capitaine Blackwater à la tête de sa flotte. Oh oui! Mm-hmm. Le capitaine en fut si fier qu'il décida aussitôt d'abandonner ses activités de pirate. Oh ben! Après cela, le sultan ne menaça plus jamais le roi et son fils pirate et tous vécurent heureux jusqu'à la fin. Oh, wow! Ah, ça, c'est un beau conte, oui. Hein, Charlotte? Ben moi, je suis très impressionnée. Hein? Oui, c'est bien, hein? Oh. Toi, Théo, t'as pas eu peur? Non, ben un petit peu, là. Puis mais la tournante, pas beaucoup. Ouais. Mais toi, t'as eu peur un peu, hein? Moi, une petite fille, moi. Ben oui, t'es une petite fille. Oui, ben oui. Je sais pas, mais Charlotte a tendance à s'approcher. Je sais pas si t'es comme un aimant, Théo, là. Mais Charlotte... Oh, mais c'est correct. Mais moi, elle s'approche de toi, c'est là. C'est correct. J'ai une petite attirance pour Théo. Oh, ben oui. Ouais, je dois l'avouer. J'avais pas remarqué. Bon, ben écoutez... C'est bien, hein? Ben oui, hein? Ben Charlotte... C'est un ami. C'est correct. C'est bien, correct. Charlotte. Les je suis heureux de t'avoir rencontré. C'est ça. Je suis heureux de t'avoir rencontré, Charlotte. Et moi, mes j'aime amis pas également. Trop loin, donc je m'en rappelle. Non, c'est correct. Alors, j'espère que tu vas revenir, Charlotte, nous voir, hein? Ben, j'espère que vous allez m'écouter des fois. Te faire rencontrer, mais m'a demandé à ma maman ça va me donner nos petites robes. OK. Ouais, je vais demander aussi si la cousine à Théo, Mélodie, voudrait te rencontrer. Ben oui, ben que oui, tu Mélodie. Mélodie. Mélodie, elle l'a rencontrée. Et où, Mélodie? Elle l'a rencontrée une fois à l'école. Ah oui? Oui. Et où, Mélodie? Ben, tu vas la rencontrer bientôt, là. Tu vas pas jaser avec. Qu'est-ce que... Bientôt. OK. Peut-être la prochaine fois, on pourrait être avec Mélodie. Hein? Mélodie. Ben oui, parce que moi, je peux pas venir. J'ai une pratique de hockey. Ben, c'est ça. Oui. Fait que ça va être Mélodie la prochaine fois, si tu veux venir. C'est là. Quelle sorte de hockey tu joues, toi? Du hockey. OK. OK. Du deck hockey, du hockey sur glace. Du hockey sur glace. Regardons ça. Oui, oui, oui. C'est beau, hein? Oui. T'es sportif, Théo, lui. Oui, je suis sportif. Il est comme Théodore. Oui, comme José Théodore, oui, 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 oui. Exactement ça. Il est aussi beau, hein? Mais là, il était un petit peu chevelu, celui-là, là. Oui, oui, OK. Oui, mais c'est pas... On dirait qu'il a enlevé son masque, tu sais. Je sais pas si je dois le prendre pour un compliment ou... Oui, okay. Donc je suis pas sérieux, moi, regarde. Okay, oh, c'est joli. Bon, ben les amis, avec cette histoire-là, on termine... C'est une belle histoire, papy. Oui, c'est une histoire, je comptais à mon père en soir, il va pouvoir s'endormir. Bon, ben c'est bien, ça. Hey, bye-bye, les amis. Bye-bye, les amis. À la semaine prochaine. Bye-bye. Je vous aime. Bye-bye.